Permettez-moi, mesdames, messieurs, de vous souhaiter la bienvenue à cette émission d'enseignement Jésus-Christ, lumière des nations. Avant tout propos, nous bénissons le Dieu d'Israël et son Fils qui nous a donné la vie éternelle par le sacrifice de son Fils. Ton Père d'Israël, Wenama. Busro la perte bam biribla bam sa fa tonon koton vim sin kaseta bam biga sun tikunda pika zuma sminga. Par sa grâce, nous allons étudier aujourd'hui une des béatitudes qui se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 5, en particulier le verset 3. Ne bam lo horom ma sminga tonna na rataba la na zamsa. Yeti sunoro a yemre Christ son wilgi sembe Matthieu chapitre 9 verset 3. Ma prière est que à la fin de cet enseignement, eh bien vous receviez des bénédictions ou encore des révélations, des lumières, des pépites de connaissances des saintes écritures et que cela puisse vous permettre d'aller de l'avant dans la connaissance du Seigneur. Mam pousro lam kosro yati zams konga basra biam tom pam bangre la venom la venar buto tori sena yil son nyam nyam kenda la nyam tiba sozo. Alors donc notre verset, notre texte de base, comme je le disais, Matthieu au chapitre 5, le verset 3, nous allons faire la lecture si vous êtes prêts, mesdames, messieurs. Wam si yila ton konga zibi Matthieu chapitre 9 verset 3, nan karma mesami kiem ser la same. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit. Alors, si nous considérons l'original des Saintes Écritures, la langue hébraïque, heureux les pauvres en esprit, cela se dit acheré. Aniye aruha, acheré, aniye aruha. Donc heureux les pauvres en esprit, qui lahem manhut ha ba shamayim. Renda abuilgame bark be sikme srambazuto ton san libre nanti ges ebre buda guamratisis e buni gusintalong gulson nam sebra ton wunda vonra be somayid. Bien, maintenant lorsque on essaie de comprendre le sens original de ce mot heureux, acheré. Alors, il faut tout de suite dire que il fait référence au bonheur et au contentement. Il est aussi question de félicitation ou ça fait référence aussi à quelqu'un qui est digne d'être loué, digne de louange, digne de considération. Voilà, bien net en zimisto, au pinga net en zimisto, au king appellera un passaraudo, un pinga tum son yinga. Alors, le mot heureux ou bienheureux signifie aussi que une personne qui se trouve probablement dans une situation délicate, c'est-à-dire difficile, une situation inconfortable ou de détresse, eh bien, dans le monde à venir, et si elle suit les règles de la foi, eh bien, dans le monde à venir, cette personne sera héritière du royaume de Dieu. Obsan yelti bark be wala sunor be bram nisi
wili dem tia net sambi to pouen mbi nam so pouen la tasan yal skankan solum ninga han wata pouwa anam pa manare. Donc, le mot bienheureux, on peut surtout l'appliquer, comme je viens de le dire, pour les personnes qui se sentent brisées ou qui sentent un certain manque dans leur existence, dans leur vie, et donc qui dépendent entièrement du Seigneur. Leur souffrance, leur douleur seront bientôt récompensées si elles demeurent dans la foi et dans l'obéissance au Seigneur. Lorsque notre Seigneur, le Seigneur Jésus, dit à ses disciples, bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, bon, il ne faut pas croire qu'il est en train de dire que c'est seulement ceux qui sont pauvres qui vont entrer dans son royaume. Non, le Seigneur est en train d'expliquer que selon notre état d'esprit, selon notre mental et selon nos attitudes et nos comportements vis-à-vis d'un côté de Dieu, vis-à-vis de notre prochain, et ce que nous sommes en face des situations difficiles, tout cela, eh bien, va conditionner notre entrée ou notre régie du royaume. Donc, notre avenir va dépendre strictement de notre comportement d'aujourd'hui face aux différentes situations que nous traversons. En lisant dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17, nous avons le même état d'esprit, nous avons la même révélation qui nous est donnée, 2 Corinthiens 5, 17, qui dit « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » 2 Corinthiens 5, 17. Alors, celui qui est pauvre en esprit, il sait que Dieu a promis un autre monde, dans lequel toutes ses aspirations à lui seront entièrement comblées. Et fort de cette connaissance, il va s'attacher à cette espérance dans le Seigneur et dans l'intervention que le Seigneur va lui accorder. Il va s'attacher à cela malgré sa condition modeste de la vie présente. En réalité, une telle personne attend la consolation de Dieu au temps que Dieu a fixé. En lisant le verset 18 de 2 Corinthiens chapitre 4, il est dit, 2 Corinthiens 4, 18, il est écrit, « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Ce verset caractérise ceux qui sont vraiment pauvres en esprit. Les hommes et les femmes pauvres en esprit, ce sont des personnes
qui ne regarde pas aux choses visibles de ce monde, mais qui regarde aux choses invisibles du monde à venir. Parba la robe ni sa signe sik mais ram sit si da paget boum ni ton ni sa ne doun kangawa la bam geta boum ni ni sa kanes mbi solom ni sa wata. Ce sont des hommes et des femmes qui ne font pas trop cas, hein, ils ne sont pas trop dérangés, déstabilisés, hein, parce qu'il leur manque ceci ou qu'il leur manque cela. Ya neba parba la ropa sampa gel ga bum ni sa sampa or bamba hampa get waya yele bum ni sampa bam duni kan ngawai. Au contraire, ils prennent le patriarche Abraham comme le modèle à suivre dans leur vie et dans leur parcours sur cette terre. La bam lik da tinvia ba Abraham vuima mamsro naukinre bam vima point mamsin tundi. Et c'est en lisant le livre de Hébreux au chapitre 11, à partir du verset 9 à 10, que nous allons voir, c'est là-bas que nous allons voir quelle était la philosophie ou la vision, la manière de vivre du patriarche Abraham, père de la foi. Ton sankaram Hébreux chapitre pila yemra pouen yabela ton nanya tiviaba Abraham vima yelman sumla nakinranda etoto. Et le modèle de vie de ceux qui sont et de celles qui sont pauvres en esprit, eh bien, leur modèle de vie est calqué sur celui du patriarche Abraham. L'Abraham ni sa son visik men vim haki ka obvimam yelmanisma ton nyata la vena fasi yaba Abraham vima. Hébreux 11, 9 à 10, il est écrit, mesdames, messieurs, c'est par la foi, pistis en grec, la foi, pistis en grec, et emouna en hébreu, emouna, la foi, en hébreu, ou bien bitaon. Donc c'est par la foi qu'il vint, donc que Abraham vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Et là, il habitait sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, 9 à 10. Netebo, nyesiga tenginga wenam senkab nyewa, watin sanga zinfuro pousse, la Isaac ne Jacob me, senta puy ne kabra ayemra, bam me mana woto, tibwen, nyera gongre ten senta nyebro soma, atameta ne nanda senya wena. Les pauvres en esprit, bien qu'ils sont l'objet de grandes promesses de Dieu pour le monde présent, ils préfèrent le monde dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses prophètes, un monde qui doit venir et qui est le monde de la réalité, le monde n fois meilleur que notre monde présent. Au gelard da tenginga wenam sinda nkambi yavamba tensong ninga sinwate sinya soma yid zamani ngumeti tenginga biduni ninga tonsombe wapon. Bien que le patriarche Abraham avait reçu de la part du Seigneur la promesse que la terre de Canaan lui serait une sa propriété à lui, lui et sa postérité, Yasira ti a Abraham daga mpama kabno wenam sinkamba tana mpama kana tenga nyina nepu a yagansi ne ruga na mfanyinga. Il est resté néanmoins sobre par rapport à cette promesse et il est mort sans voir la réalisation concrète de cette promesse. Akel yar sa kankan gun kabno kan pidbo la hal ta wanti kanki kanyandi. Il n'a pas vu sa postérité, ses enfants, occuper la terre de Canaan, parce que la terre de Canaan, à l'époque, était habitée par les Cananéens. Mais il savait que non seulement après lui, la promesse de Dieu allait s'accomplir, mais mieux encore, en réalité, en lui promettant une terre, une limite territoriale sur terre, Dieu parlait aussi d'un monde nouveau dont il serait aussi l'héritier.
ara mi meti wenam kab no ranam pide basa na yinye lor pore. La ba nene fa asende gilgar kab no ning sinda mantin tar ting hanta twadar duni kanga zuga ara ting la solom ning wenam sin kabe sin ya solom ning sin wati wakatato. Et vous savez que Abraham était riche en tout en ce qui concerne les troupeaux. Vous savez, à l'époque, hein, c'était l'agriculture et l'élevage qui constituaient le socle même de l'économie. Et Abraham était riche en agriculture et tout ce qui concerne l'élevage. Ton famille, ta Abraham, la tara arze susko, sensin ki ne rumus gulgo, wala koda wenge bala mime, wakat kangara ya koda, ne gulga, nde zand laga, nde laga meng nyagali. La Abraham, la tara arze si, sen rumsi, wala kodo. Donc, bien que Dieu ait donné toutes ses richesses à Abraham, eh bien, cela n'a pas suffi au cœur d'Abraham. Il a plutôt, il s'est plutôt orienté vers la cité que Dieu a promise. Une cité dont Dieu sera le constructeur, donc une ville qui ne sera plus jamais détruite, un monde qui ne passera point. Bane arzeks kinsfan zusoba wenam sinda kon yaba Abrahama. A pa gilre la ne pasik bom sungri la wenam dani nga ngis la ngun teng ninga ten song ninga sin ya ten nongo zusoba wenam meng sinam me di la yabama na yilima tu wampa ambinki. Nous savons que plus tard, les descendants d'Abraham ont occupé, si vous voulez, ils ont habité, ils ont eu comme capitale politique Jérusalem. Ton mimeta Abraham yansawa en sora Jérusalem tenga. Que le roi David a conquis de la main des Jébusiens. Rima David sans abne Jébus la main ton rendire. Et donc, Jérusalem était le symbole de la puissance des enfants d'Abraham qui ont pu occuper cette partie-là pour en faire leur capitale politique. Rendre Jérusalem tenganda ya tongora bande sinda wilgut Israël kamba han tongé. Mais néanmoins, ils attendaient une autre Jérusalem qui sera une Jérusalem créée d'en haut et qui descendra d'en haut pour que sur cette terre-là, eh bien, cette Jérusalem devienne le siège de la capitale du Messie et qui va gouverner le monde. Rin bane le fabra gunda Jérusalem tous na yisa sen juste ba mwen na menga sen na en serlo Jérusalem ninga wa na yi ngre sigi en libre Jérusalem yeti Israël neba yeti takaura ting menga. Alors vous comprenez pourquoi Jérusalem a donc cette grande importance et que Jérusalem est l'objet de plusieurs convoitises des puissances du monde présent. Renda yamte uma vonre bunni ni hinkiti Jérusalem bumiti Israël tinga solom buta to fa bi dunia fa zabada me wenda dan dat ni tizin bene dat so ten kanga. Mais comprenons que ce n'est pas surtout cette Jérusalem terrestre qui est importante, mais celle qui va descendre auprès de Dieu et qui va être le siège du trône du fils de David, le roi Jésus-Christ. Bibang ti bumni sintaryo da pa Jérusalem ninga sin be ten zug mahma hawaye la Jérusalem ning sin yi ngre sigi zini meng wena bibla Jésus-Christ sin ya ton juste va sin dinam la bam sin so solma. Et donc le patriarche Abraham, il vivait dans ce monde dans l'espérance de voir son fils, un de ses descendants, eh bien qui va siéger à Jérusalem à Sion et qui va gouverner le monde. Et Abraham a compris que c'est lorsque cela sera accompli que toute la promesse que Dieu le Père lui avait faite sera entièrement réalisée. Renda Abraham da vie mais la vie mo wakati ala tinda me la ragunda solom ninga ayanga yemrsna wanzom nam kweli Jérusalem tenga sion de tanga zugu en so solom tata ya fa en dinam solom tata ya fa solom ning swata. On peut dire qu'Abraham était un homme pauvre en esprit. Voilà, il aspirait au monde à venir. Bala ara gunda ne ratam kasinga duni ning sunwata. Parce qu'il souffrait sur le plan moral et spirituel. Son âme était tourmentée, son âme souffrait à cause de toutes les injustices et de toutes les méchancetés, de tout le mal qu'il y avait dans le monde dans lequel il vivait déjà.
balara namas dame ara vi to pour la sunera sam dame dunini nga san vi wakat kangati ya to duniti ya weng duniti ne ba pine weng manga. Alors il aspirait et il attendait un monde qui sera débarrassé de toutes ces injustices, un monde de vérité, un monde de droiture, et il savait que ce monde viendra un jour par le Messie, Fils de Dieu. Aragunda solom ni nga sinan wa sampata wen nga sinan yis wen bout fa en yila tinga ti liberting hi ya sit tinga bum fa na bouti zmc rati ta David ya nga sin Jesus Christ sinan wan dinam ting ni nga pon. Et c'est pourquoi le patriarche Abraham dans l'écriture, le Seigneur Jésus parle de lui comme celui qui sera assis avec Abraham, assis avec Isaac et Jacob, qui sont les cohérités de la même promesse. Et maintenant, des hommes et des femmes qui ont faim et qui ont soif de la justice de Dieu, des hommes et des femmes pauvres en esprit, viendront de toutes les nations, de l'Orient en Occident, du Nord au Midi, et se mettront ensemble avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume messianique à Jérusalem. Yaren kiti zusoba zukris wam be dunye zugab goma men wenyel bundan wilgi. Ti solom kan pwa Abraham ne Isaac la Jacob ban fans ya puitin tasa. Obnan zinda solom kan ala bram nis fan. Se nan sak zusoba zukris bram nis fan son non sida bram nis fan. Son loe mes ya sik mes ram mwen nam tora. Ban menan pa ma puitin tare la bnan zinda solom kan pwa ne Abraham la Isaac la Jacob. Donc, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, il réunit ses disciples sur la montagne et qu'il leur dit « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux », eh bien, il parlait de ces grandes choses à venir dans le monde qu'il va nous apporter. Wakat ni nzu soba Jésus-Christ son wan tigmo karambisa tanga zungu singa na mwono kwa ira yeti bark besiku mesramba zutu bala arzan solom yabam denda. Et ces paroles du Seigneur sont encore d'actualité et elles ont une valeur permanente et éternelle. Elles s'adressent aussi à nous. La promesse du Seigneur pour toutes les personnes qui sentent qu'ils ont, ils aspirent à un monde nouveau, à un monde de justice et de paix dans la présence du Dieu vivant, eh bien, le Seigneur leur promet de tenir ferme, car bientôt le royaume sera à eux. Ils seront propriétaires et héritiers de ce royaume qui vient bientôt. Tous les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que les grands serviteurs de Dieu comme les Moïse, les Aaron, les Josué, les prophètes et les sages. La wenam tumtum kasum sataba wa Moïse ramba, Josué ramba, Aaron ramba, la wenam noreste ba la yam damba. Alors, tous témoignent que c'est le Messie, Jésus-Christ, qui est chargé par Dieu d'apporter et d'introduire ce monde de justice et de paix dans notre monde. C'est lui qui est chargé d'amener ce monde à la réalité. Bamfan ki ta kaseto, ti aton zusoba Jésus-Christ a yentan, nantal solom kang si ya la fitenga, ziri la somblom la poupelum la sitenga, ya bam na wane ton dunia pouen. Voilà. Le Seigneur Jésus, eh bien, est chargé par Dieu d'apporter ce royaume de justice et de paix sur toute la terre. Wenam di ka toum kang an doro ton zusoba Jésus-Christ a zugoto, ta la fi la sida la poupelum tenga wane dunia zugo. Une lecture attentive et continue, méthodique, la parole de Dieu montre que à cette ère messianique, cette période messianique, eh bien, ce sera une période où le Messie Jésus-Christ va dévoiler sa gloire et la gloire de son Père dans un monde parfait, dans un monde de félicité, dans un monde de bonheur. Ton cinquième torrent, car on goulisse au sommet, l'advice, n'a ou ma vondre, son ma bouillie, ton bala,
ti wakat ninga yan messi wa namri wakata na pukab zira fa la bamba zina puka tenga point ti bum fa yi soman zimezan fasi. Le prophète Zacharie parle aussi de cette réalité et de ce monde à venir. C'est-à-dire la royauté de Dieu qui sera révélée à tous les hommes sur cette terre. Il en parle au chapitre 14, le verset 9. Il dit, l'Éternel sera roi sur toute la terre ce jour-là. L'Éternel sera un et son nom sera un. Zacharie 14, verset 9. Alors, en hébreu, ça se dit Ve'aya Adonai Lemele Alkol Ahares Bayom Ahu Yihye Adonai Echad Ushmo Echad. L'Éternel sera roi sur toute la terre en ce jour-là et son nom sera le seul nom. Renda yilamba la zusoba na yi dunia fanrima bamobiemra na yi zusoba la bam yura na yemri. Celui qui a faim et qui a soif la justice de Dieu, celui qui est pauvre en esprit, eh bien il aspire à ce monde dans lequel l'Éternel Dieu sera le seul Dieu connu sur toute la terre et c'est seulement son nom qui sera prononcé par tout homme. Tirlam kom la konyur sintara soba sobni sin sikum men gumura ne ratam kasinga dunya bum yiti solum ninga sin ya zusoba wen nam sin kasay menga na wan yirima so solma fa. Et le prophète renchéri, il continue en disant que en ce jour-là, il n'y aura ni lumière, ni froid, ni gel. Zacharie chapitre 14 verset 6. Verset Ayoba tumtum na kelen kinga tor na wilbene barari waone glas kana lesinier. Les sages ont essayé de comprendre ce que signifie que ce jour-là il n'y aura ni lumière ni froid ni gel. Ils ont essayé de comprendre le sens de ces mots et de ce verset. Renda yamdamba wuso bawame ti bang gom kansa vonre barari glace bumiti vin pana zindi la gom ni sungum kanu vonre. Ils sont arrivés à comprendre que ce verset parle de d'autres réalités, c'est-à-dire que en particulier il y aura un grand renversement des situations dans la société dans l'ère messianique. La boam banga vin a faciti gom ni sungum kanu vonre wili gdeme ti wakat kanga. C'est-à-dire que des hommes et des femmes qui sont hautement estimés dans notre monde, ils vont se retrouver totalement insignifiants dans le monde messianique qui vient. Une anecdote que j'aimerais nous raconter. Il s'agit d'un sage, d'un rabbin du nom de Josué et dont le fils s'appelle Joseph. Le fils Joseph est tombé gravement malade et il était au bord de la mort. Alors, donc il est gravement malade. Et il a frôlé la mort. Maintenant, lorsqu'il revient à la vie par la grâce souveraine de Dieu, son père, le rabbin Josué, lui pose la question, mais qu'est-ce que tu as bien vu pendant tout ce temps où tu étais dans le coma profond? Qu'est-ce que tu as vu? Et il a dit ceci, père, j'ai vu un monde inversé. J'ai vu des gens qui étaient très estimés dans ce monde ici-bas. Et puis, bon, dans l'autre monde, c'était des gens absolument insignifiants et modestes. Des gens modestes ici-bas et qui sont
très estimé dans l'autre monde. Neba obsin gilgado sama la sintar pense solom kan sa pokon. Et d'autres qui étaient très bien estimés dans ce monde et dans le monde l'autre monde, ils étaient totalement insignifiants. Donc il y a comme une sorte d'inversion de ce monde là par rapport au monde qui vient. Nemnisinda ya bon katora pa gilgado babam to pamame ya nibel solma toa la nemnisinda ya kasmas tenkanga wati libra pour. Et son père de corriger son vocabulaire en lui disant en réalité c'est notre monde présent, c'est notre monde qui est inversé. Parce que le monde que tu as vu, dans lequel les modestes deviennent hautement signifiants, hautement élevés, c'est ce monde-là qui est le vrai monde, le monde réel. Renda baba na ndim sa gombila yila ti oho arfo nya bum ninga wa bi bang ti ya duni ninga ton hambe po wa ya duni ninga le bra san pare zini nga fo nya ti nem ni sa handa ya bon de sikme sram kanu wa libre beda ti nda ya kasmas kanu wa libre bon ra ya nyela duni wa sirsila. Ce que tu as vu, c'était le monde de la réalité, le monde réel, le monde de la clarté et de la vérité. Banti dunini nga fo nyawa ya sida la pupilem la alhakika duni wa menga la fo nyawa. Voilà, cela s'appelle le monde de la vérité, le olam emet. Ya sida bom yeti tirlema zinga meng facile bene olam emet. Voilà, olam emet, donc le monde de la vérité ou bien le monde olam abba. Ya sida duni la wotone olam abba. Voilà, donc les concepts sont bien connus. Et il y a beaucoup de révélations dans ces choses-là. Le prophète Ésaïe, il intervient pour tout nous expliquer en disant à son 32e chapitre, verset 5, le prophète Ésaïe, il nous explique en disant au verset 5, on ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni au fourbe celui de Mayanim. Voilà. Ésaïe 32, verset 5. Kanan le bol yalam ti kanan le bol yalam ti ni song ye, la kanan le ges zit wa ni kasang ye. Voilà. Donc, ce sera le monde, la réalité, et chacun sera vu et connu tel qu'il est dans son essence. Ya duni ni nga hiya si duni wa boum fa hiya vena duni wa pour un. Dans notre monde d'aujourd'hui, nos personnalités sont pratiquement cachées, couvertes. Nos pensées sont cachées. Nos intentions ne sont pas connues. Nos défauts et nos qualités, tout cela, toutes ces choses sont masquées par notre réalité humaine en tant qu'être humain. Voilà. Ton pan comme semble panga boum ni son son teman fa solo ka mais ton ya ni sal bon vini sal pour ngina. Et souvent nous prenons le mal comme étant le bien ou l'inverse, le bien pour le mal. Sinon ou se ton gilara wenga wa sama wakat nga sama wa wenga. Des fois nous donnons de l'importance à ce qui n'en a pas point du tout, ben et puis nous minimisons ce qui est hautement apprécié devant Dieu. Non, vous serez ton gueule de boum ni sa hampatarion de boum tarion de boum ni si on tarion de ton rique de la yala yala. C'est la réalité de notre monde comme ça. Y a ton dunion yala vénère là autour. Voilà, le monde est comme un voile où la vérité est réellement cachée à nos yeux. Dunion wende fouli de rien louton ni n'a-t-il ton pas nécessite si dunion. Et le mot hébreu olam traduit le mot monde pour dire que bon, ici là, on regarde les choses comme au travers d'un voile, on ne voit pas tout. La gombi ni ngeti olam wili de ton dunia on wili ti ton geta wa fuli le de la ton leading geta ton pa nécessite sida sida ka pouk ti ton. Le monde est un voile. Maintenant, l'enseignement du Seigneur Jésus, c'est que ceux qui sont pauvres en esprit mais qui s'attendent au Seigneur, mais qu'ils comprennent que le jour viendra où ils vont entrer dans le vrai monde où il n'y a point de voile, et dans ce monde ils seront les héritiers, les leaders et les principaux dans ce monde de la réalité. Ton dunia wenda wa fu son lutonina la juste parce que Christ wiliga bam zamsra pour un pays été barque basic mais sera pas zutu bala obnam pama arzam solma wiliga double lam tout sans yaras kankan si comme un point obnam wampama zininga solom ninga si sida
Je vais revenir sur l'anecdote que je vous ai racontée tout à l'heure du rabbin Josué et de son fils Yosef qui est tombé gravement malade, qui est revenu à la vie. Et vous savez que les rabbins sont des personnes entièrement dévouées et dédiées à la connaissance, à l'étude et à l'enseignement des Saintes Écritures. Et comme le rabbin Josué avait dédié toute sa vie, consacré toute sa vie à étudier les Saintes Écritures, bon, il voulait maintenant se rassurer de ce que sera son sort d'après ce que son fils a vu lorsqu'il était dans le coma profond. La a Josué hiya ban kasanga rabbe ndalika vima fan hala vima teken vice gul so somia ndatu uma vonre mbo banger buto tora arara tamem bang vena fasi vi kanga loro pori anayi wanwana nyi vima nanti wanwana neta ratu tunune biga da sobran pam bang boom ni simbe tora. Donc il pose la question à son fils, mais c'est vrai que tu as vu des gens qui étaient bien ici et l'autre côté j'étais complètement méprisable. Mais maintenant, dis-moi, mon fils, en ce qui concerne les rabbins, ceux qui passent leur temps à étudier les Saintes Écritures, les érudits de la parole de Dieu, ceux qui méditent la parole de Dieu jour et nuit, comme le Seigneur l'avait ordonné à Josué, quel sera leur sort? Moi, ça, anan, soka biga yili. Yesi ti fo ye la meti fo nya ba pour moi fo onti nya fo sobra pour moi fo nya duni ti nem ni sunda ya kasam se nem ni sunda gel gar kawa ti le mpata neng bene ti nem ni sa ton da pa gel gar kanu wati ba man le ba kasam sa la musa ha yan ki ne rabena ma bang beda nem ni sun di ka vima fa en loine gul so som ya zama so la vice ro en karam dan tax da yel wazu so ba sun pini ye ti karam la tax gwa ma yela bam dan ba yela na ya wan duni kan fo en Son fils Joseph lui a dit, Père, eh bien, ces personnes vont continuer à être de grandes personnalités dans le monde à venir. S'ils y arrivent avec leurs études de la parole de Dieu en main, les yeux toujours plongés dans l'étude de la parole du Seigneur, pour en comprendre le sens, pour en découvrir les pépites et les lumières, eh bien, ils seront grands dans le royaume du Seigneur qui vient bientôt. A biga Jésus le kalamen yile san ya ne bam damba bam nan kilen kien a tori ya ni kasma solom kan point san mik tu kelen gada kan kan wenam sebra bum yeti gul so som ya vice ko la zamsro la modern dik vin ni ngup sam pam nan tas ne ba bam damba na yi ni kasam se. Revenons maintenant au texte pour avancer. Il livre wa gulsum gulsra zugmo san kien tori. Le texte c'est Matthieu chapitre 5 verset 3. Zini na ton san karma Matthieu chapitre 9 verset ataba. Ashre aniye aruha ki lahem malhut ha shamayim. Bienheureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Barak be sikmesramba zutu bala. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus, en tant que le roi de ce royaume, eh bien, qu'est-ce qu'il veut enseigner à ses disciples? Il y a bon le Zusova Jésus Christ. Bam signe solom ninga honwata warima obraratan zam subkarambisa. En substance, on peut dire que dans sa pensée, il veut nous dire que les riches semblent posséder et contrôler tout dans ce monde. Tandis que les pauvres, ils languissent et ils luttent pour survivre. Mais à l'ère messianique, Dieu va inverser les rôles. La messie namri boakati yela nanti kame. Il va accorder la propriété, l'héritage. Il va accorder la propriété ou encore l'héritage. Dendab nankon rompira nerkamfa. Il va accorder aussi
le leadership ou encore le gouvernement. Et il va accorder l'estime à ceux qui ont été opprimés dans cette vie, mais qui ont tenu ferme dans leur confiance et dans leur dépendance vis-à-vis du Dieu des cieux. C'est pourquoi il conclut en disant, le royaume des cieux sera à eux. Tout leur appartiendra en tant que héritier et en tant que gouvernant et personne estimée, hautement estimée dans le monde à venir, de telle sorte que tout le royaume du monde qui vient sera leur propriété. Les paroles de notre Seigneur Adonai Yeshua HaMashiach, les paroles du Seigneur Jésus, servent à encourager ceux qui souffrent actuellement et mais aussi à réprimander ceux qui se mettent entièrement à l'aise sans écouter les douleurs, les cris, les souffrances et les manques des autres. Ton Zusoba Jésus-Christ Gwama Pourin, Abratamen Passe, Bram Nisa Sembe Namsopon, la Tobour, la Wenro Toto, Fin, Bam Yure Nina Tokilam Yalas Kankan Kentori, la Lemon Limsi, Abram Nisan V, Yar Pourin, Pagil Zusoba Gwama, en Viwab Sandati, en Vino Domiori. Le message du Fils de Dieu est clair. Aux opprimés de la terre, à tous les opprimés de la terre, à tous les malheureux et à tous les pauvres qui s'attendent au Dieu vivant, qu'ils sachent que Dieu est parfaitement au courant d'eux et que le Seigneur, l'Éternel Dieu, ne méprise pas les conditions modestes dans lesquelles ils se trouvent. Zusoba Gwama ya Venra, Nebni Swans mbi dunya kirmas buto tour fa dunya solom fa mbenam so pouin la nimbana pouwa ob wilga meti bampa nimu biele ob gilradab namsra gilradab obs sik ming bamto la fin gilradam gwama totoa la panambasabi. Et le Fils de Dieu, qui est le Seigneur de la création, leur demande et les encourage à persévérer dans la foi et dans la confiance au Dieu vivant. Wenna biribla Jésus-Christ ya ton zusoba king da bam pelra yitub nang panga yalskankan king tori bala solma ya bam denda labnan pamala. Et le même Seigneur Jésus-Christ leur dit, mon Père qui est dans les cieux vous voit et il se soucie de vous, de chacun d'entre vous dont il connaît le nom en particulier. La ton zusoba Jésus-Christ king atori yili mambasim be arzana miyam tiri la gela da nyamba la miyam net kam fane yure la sembe zininga. Le Sauveur Jésus-Christ leur dit, votre avenir est assuré et il sera meilleur dans le monde qui vient bientôt. Fan da Jésus-Christ yi la me nyam bionera zo ya bumu ya venra la na isuno kasang ne nyamba. Et lui-même, dans sa grande sagesse, il a donné une parabole, un enseignement pour illustrer ce que nous sommes en train de nous expliquer. Dans Luc chapitre 16, le verset 19. La bambe n'est pas pide ne yama, avlika mamsro, yel bundi, na yeti ton wum boum ni sa son gom la vore. Luc se brapo en chapitre pila yobe. Luc chapitre 16, à partir du verset 19, nous allons lire cette parabole. Il est écrit, Luc 16, 19, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein.
Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, c'est-à-dire les Saintes Écritures, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Luc pila yo bon pila we. Arzek soba yemre ndabi, yilag fousoma sinya neba, la darfa nyipa ma boumfa tiseke ta vim yarno wousro. Nang soba Lazare sintar nor wuso ragayan arzek soba zak nori. La rarata rizir sinluit arzek soba tabl ting randi la bas wan lilimda nwada. La nang soba wan kime ti malekram dikan king zini nga Abraham sinbiwa. La arzek soba me wan kime ti muma. La kim kulu pouwen nye taran namso wuso la nye zinkane nga nya Abraham sinbiyir ta Lazare bene bamba. Nye kelma men yele, mba Abraham, zoye mam nimban ga, ntouma Lazare ta teka nou bil komen wa wulo mam zelem da, ti bougou ma zabda wousro. La Abraham le kanye ya, mbiga. Bif bang ti fosan da bi dunye zou wakate, fo pa ma bonson ma fan, la Lazare pa ma fare. La masan, nye pa mda bil sro, la fo pa ma toro. La bongme tome, bo kasan sambi, ton nenyam souka, halti neb ni sandatin yi. Kanen ken yam nengwa katon yi. La neb ni sandatin yi be. Nwa ton nengwa me katon yi. Arzek soba ye la Abraham ya. Sin ya woto wa ya. Mba Abraham. Mam kote nyam ti touma Lazare. Mba yira. Ti bwen. Mam tara babi ropa nou. Bia kenge. Nti wilik bam. Ti bam mera watu kanga zingin ye. A Abraham liu kame ya. Bam tara mu yiz. Newen nam noreset ba. Bi ke la bamba la yin yi la me amba Abraham woto kasekye net san vuron king bam nenge bam yam na teke te ko suguri la Abraham yi la yin daya bam na igafari bam san ka kel ga Moïse ne wen nam no reset ba ba net san vuron king bam nenge bam kondirai. Voilà, la réalité est toute simple comme ça et illustré par cette parabole merveilleuse que le Seigneur a enseignée. Neyil bunkanga zusoba sin zamsneba bumfa ya venra la sida puku de kan. Et voyez, à travers le sens du nom des personnages, par exemple celui de Lazare, bon, on a déjà une orientation du sens des choses. Nous avons une révélation par rapport à cet enseignement. Nena yam san ges neba yuyab san kontoto wa san dik mamso wa Lazare nengwa ton nyata bum ninga of san mams de wa neb sul ni sab san mams de yele. Lazare son nom signifie Dieu a secouru. Lazare ratin yela me ti wenam san fanga soba. Dieu est son secours. Wenam yanye sangra. Cependant, nous voyons comment l'écriture décrit sa vie très douloureuse. Il vivait dans la misère la plus absolue, dans le dénuement le plus absolu, et il était couvert de plaies, d'ulcères. Mais on voit aussi, il a tenu ferme, et à la fin, effectivement, comme son nom l'indique,
il a reçu le secours de Dieu dans le monde dans lequel il est allé. Din bane yura sinda yetiti zusoba bi winam yamam fanda ton nyata kane gulso somnya son wilige nam so ninga to ninga farninga sinya hali dunika nga point a vima wakati la bane ne fan akeli yal sa kankan sida point akeli yal sa kankan wa yura sinyete zusoba yamam fanda nan gu fanda ning zusoba sinan ko la son wanti ta solo ning so wata pour moi a pa ma bel so la fanda. Mesdames, messieurs, nous disons que l'intérêt de cette parabole du Seigneur, c'est entre autres de nous enseigner que ce ne sont pas tous les Lazares qui réussissent le test de la vie présente. Et il y a tamé et gulso somia ton san karim zininga top tunone yel buninga wilitonda ton y tamé ti pa Lazare damba fa ton vie ma pour moi en ton god makan gisa wa Lazare en ton ray ya des Lazares qui échouent, qui abandonnent la foi parce que à un certain moment, ils se disent que la douleur est trop grande, elle est insupportable et donc ils se détachent de leur dépendance, de leur confiance au secours du Dieu vivant et malheureusement, ils se tournent vers d'autres sources qui n'ont rien à voir avec le Dieu véritable. Mon sang zubuka yati Lazare dam be en patron de bum yeti to da ya wusre ying min kitame to mwen de mneng am baud son o zinga to o sikam nusi o yelam ti masan wa bam pale toin pana ya son gun faras na yizu so ba neng wa la bam na mwen ne gesa bumba taba sil bas da tebo mwen ne get bumba taba pa ya son gun far ning Christ bizu so ba son kontay ayon la foi la confiance au Seigneur. Que cette foi dans le Seigneur soit une essence en nous. Une essence, c'est une partie de nous-mêmes. Et non pas comme quelque chose qui nous édulcore ou comme un vêtement dont on peut se dévêtir, un vêtement qu'on peut enlever. Mais que la foi dans le Seigneur, la confiance que nous avons en lui, soit une essence en nous, inséparable de notre vie. Au point que nous sommes prêts à souffrir pour la foi, pour attendre la consolation de Dieu dans l'ère messianique. Il y a autre chose, bit tisu soba wenam, la kisbam sirzang fasi. Il kiti tiba, y ton nina wileye, ana ton vima point. Tirei wala fu ton hanyelade, la ton wa yirandele. A paton nina pour bon yeta paton sunya poussin. Ti temp kan nya tondo ti ton yal skan kan en ton sa kum temp kan yinga yal son kun juste pa mwen am fare fare ni ngs na o konton la. Mesdames, messieurs, par la bouche ou plutôt la plume de l'apôtre Jacques, nous terminons cet enseignement en disant Jacques au chapitre 2 verset 5, Jacques 2 5, écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Oui, c'est ce que Dieu a fait. Donc, nous devons rester fermes dans la foi, confiants que Dieu est au courant de chacun de nous, quels que soient les temps, les situations, les difficultés que l'on peut traverser. La foi sera récompensée dans le monde à venir. Woto nyinga tonna mbasa zamskanga ne Jacques chapitre yibo verset noyé la main babinongorsi bikelri. Wenam kanyak ne ni sin ya nongram duniram ni fin. Ti bam nan pa ma tib arzexi la pam puir ne solum ning bam sin kam ne ni sin nong bamba la. Ngey aya woto ne abram ni sin ta tiba nan pa ma tib BC la nan pa ma belso ninga et tiens parce que nous avons combattu wakati nous sommes en tas solma point juste avec du Christ nous disolons ninga nama point assuré anié aruha qui la hem malhut ha shamayim. Bienheureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Park bi sikmes ramba zutu tibwen mwen nam solom yabam denda.
ngey bi wen na barkla bla fi so yamba la bi wen na son yam ti tonre Christa Jesus ya ton fangda la zisoba masminga amen. Ha ha ha.